Hello tout le monde, je peux pas vous faire le signe de bras parce que je suis toujours dans le plâtre et je filme de la main gauche, j'ai pas l'habitude. Ça va être en sketch. Première fois que je vais aller voir les chevaux depuis mon accident, j'ai Anne-Lise, ma première sauveuse, qui vient me chercher pour aller les voir. Il faut savoir aussi que j'ai demandé à Anne-Lise, à Megan et à Clémence si de temps en temps elles pouvaient me sortir Saphir, donc monter dessus. Ou faire une longe ou voilà, le sortir un petit peu. Toutes les trois m'ont dit oui. Donc je vais voir pour que une à deux fois par semaine, ils restent un petit peu en activité. Là aujourd'hui, il va rien faire, on va juste aller les voir. Je vais juste les papouiller, leur donner à manger et vérifier que tout le monde va bien. Anis va pas monter parce que là, niveau temps, c'est des giboulées. Enfin, on est en décembre, mais il se met à pleuvoir d'un coup. Après, il fait beau, enfin voilà, c'est hyper instable. Donc, elle comme moi, pas trop envie de se prendre la pluie. Bref, là, du coup, je suis en train de l'attendre. Auréo aussi. Et puis, c'est parti. On est arrivé avec ma sauveuse. Oh mon dieu. Alors là, ils ont intérêt à arriver, je vous le dis. Hein. Alors attendez, c'est maintenant que la galère commence à un bras. Auréo, on se salit pas trop, s'il te plaît. Je peux pas te laver les pattes en rentrant. C'est pas possible. Putain, je zozote toujours, ça fait péter un câble. Ah bah attendez, nouveau plan. Du bras. Normalement, vous voyez mes jambes qui marchent. Ben voilà, mais un plâtre. Et on va les appeler d'ici. Hein. J'espère que le quantum là, il va arriver et me faire des bisous partout. Hein. Ils sont là-bas, tout au fond. Bon, ben je vais crier. Saphir! Oh, je peux pas dire ça! Attends, c'est honteux. Saphir! Tu te fous de ma gueule là? Il est sourd. Bah, il est tout noir, alors on doit pas le voir. Ah, il y a Mirabelle qui vient, mais les autres ils ont pas calcul encore. Donc là, on est d'accord que Mirabelle a peur d'Oréo. Non, mais c'est Oréo en fait. Coucou! Ouais, je suis de retour. Pas tous les jours, mais je suis de retour. Coucou Minou! Regarde ce qu'il a fait le petit! Il m'a cassé! Non, non, mais oui! Mais oui, il veut faire un bisou, mais attends! Il veut bouffer le plâtre! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas tenu! Saphir! Regarde, on pourra pas faire de dressage. Demain, on est en train. Non! Non! Non, mais non! C'est pas à manger! Mais non! Lâche! Arrête! Il va me le péter, il va me le péter. Nous ? Oui, c'est lui qui a fait ça. Et alors, est-ce qu'on viendrait pas s'excuser? Bon, en vrai, t'as pas fait exprès même. Arrête, il voulait en manger le plâtre. Bien fait. Bien tué. Non, mais ça, c'est parce que là, il me protège. Ouais, il a compris que. C'est son plâtre. Regarde, il va virer l'autre. Mon bébé, bonjour. Bonjour vous. Qu'est-ce que c'est? Non, arrêtez de vouloir bouffer ce plâtre. J'en ai encore besoin, au moins 3 semaines. Ça va? Vas-y, tout le monde. Mon petit chat. Saphir, c'est son domaine. Allez! Bon, Saphir te tège, je passe. Mais j'ai pas trop envie de passer derrière, même si je sais que tu te tapes pas. Ouais. Disons que la dernière fois, c'était pas un bon souvenir. Oh, qu'il est beau! Viens, je vais vous nourrir. Il y en a qui sont contents parce qu'ils mangent. Bah, ça se voit pas tout de suite qu'il est content, mais je suis sûre qu'il est content. Et lui aussi, là. Oh. Pour lui, c'est toujours pas manger calmement, mais. Alors là, j'ai demandé à Anne-Lise de remettre ma super couette trop élaborée en place. Alors, franchement, on n'a pas filmé, mais c'était marrant parce qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Mais en fait, c'est des systèmes hyper intelligents. Genre, c'est un clip aimanté. Là, tu vas y arriver. Genre. Pas fermé? Ouais. Fermé, c'est tout bête. Tu vois? Ouais. Bon, et après, tu passes ça et. Puis alors, moi, je suis nulle pour expliquer. Et puis, j'ai comme bras. Je lui dis, attends, je te montre. Mais non, je pouvais pas. Tu arrives pas? Je comprends pas. Ah, en fait, oui, voilà, oui. Je crois que tu y es là, non? Oui. Oui.
Oui, oui, oui. Et tu clips. Je comprends pas, Kenny. Bon, ça c'est facile. Tu mets le scratch. Enfin, tu passes le truc et tu scratches. Mais tu vois, je t'entraîne quand tu auras la même. Encore. Parce que dis-toi que moi au début, il a fallu que je comprenne de moi-même. T'as dû être en mouvement. En vrai, ça va. Allez. Non, mais Saphir, c'est pas à toi. Alors il a droit de te taire. C'est pas parce que t'es le chef hein, que tu dois faire chier tout le monde. Il faisait des papouilles à Anne-Lise, mais il veut pas qu'on filme. Tu peux te la mettre dans la poche parce qu'après, elle va t'avoir sur le dos. Ah, il va être dégueulasse. Arrête, mon plâtre, il va être sale. Après, ils vont croire que j'ai fait des trucs chelous à l'hôpital. Minus. Ouais, c'est ça, fais le faillot. Pour mieux la trimballer plus tard. Non. J'ai confiance en lui. J'ai une excuse à tout ça. Avant d'avoir mon accident, je lui ai fait la crinière. Et la crinière, on va au ciseau, faut toujours la faire en plusieurs fois. J'ai pas eu le temps de la faire en plusieurs fois. Du coup, là, je fais des retouches. Mais j'ai droit que ça soit mal fait parce que je suis pas gauchère. Hein. Donc, il va avoir une coupe approximative pendant quelques temps. En plus, c'est pas à Nice que je lui ai demandé parce qu'elle est pas très douée en crinière. Mais promis, normalement, je suis douée, moi. Enfin, je suis douée. Là, il va faire des trucs, quoi. Mais... pas cette fois. C'est une frite pour toi. Oui. C'est tout. Moi je pensais que tu allais jouer avec. Le patron, pas d'image, il se passe rien. Avec la frite, faire peur aux autres, te mettre debout, la secouer. Ah, oui. Oui. C'est bien. Voilà, avec la frite. Voilà. C'est ça qu'on veut, nous. Pas trop loin, juste. Oula, oula, oula. Rip, la frite. Bon, bah, du coup, voilà. Non, il me... non, oui, non, oh, amen. Oui, mais non, stop. Lui, il croit que c'est une frite de McDo. Ah, et du coup, j'ai reçu mon deuxième airbag parce que vous savez, j'avais l'airbag, le gilet là qui est bah, derrière la porte, mais je pense que vous... ciao. Voilà celui-là qui est vraiment le gilet airbag, le Zipin 2. Et là, j'ai reçu là-dedans, c'est le air jacket. Je vais vous montrer, mais avant ça, faut que j'arrive à ouvrir. Et du coup, bah, Anne-Lise, elle se propose pas du tout d'ouvrir, mais elle me dit, je vais te filmer pour montrer comment tu galères. Franchement, c'est ça les potes. Bon, ok, elle m'a déjà amené au cheval, donc je peux rien dire. Mais voilà. À tout moment, non mais à tout moment, je vais me couper le doigt. Hein. On va éviter. Attends. Attends. Putain, ayez qu'un seul bras, je vous le dis moi. Et en plus c'est pas le bon vu que je suis droitière donc Ah easy. Ah. Je pensais que j'allais galérer plus. Ouais, en vrai, ça va. Bon, en vrai, c'est pas non plus. Pourquoi? 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 Hop! Bon. Cadeau! Et voilà, il est sous plastique. Je peux même pas, j'allais faire avec la bouche. Tu peux même pas le. J'allais faire avec la bouche et j'ai trop peur avec mon incisive. Alors, je peux, mais côté droit. Voilà. Ayez des dents correctes et en bonne santé. Hop. Comme ça, je vais pouvoir aller crosser. Pas tout de suite.
bientôt avec mon airbag. Faire du derby et même quand il y aura Quantum, quand il sera prêt. Voilà. Je dirais bien que je vais l'essayer, mais c'est un peu compliqué. Il n'est pas droit du tout. Mais tu peux le modifier. Tu peux bouger la tête. Ah putain, qu'est-ce qu'elle est intelligente. On te voit là? Genre. Ouais, là c'est pas mal, non? Alors, on va essayer. Le bras malade en prime. J'ai appris ça à l'hôpital. Ah là, je suis pas sûre qu'on le voit bien. Bon, ça si ça va. Hein. Et je ferai en fonction de. Bon, si. Tu peux pas avoir de manteau en dessous. Bah si, il faut que je... ça c'est réglable. Ah, t'as vu? De ouf en plus, c'est réglable. Ah oui. Comme ça, j'ai le cucu protégé. La nuque protégée. Vous m'en voulez pas si j'ai une cartouche de démonstration. Vous m'en voulez pas si on me fait pas péter maintenant. J'ai un bras. Oui, enfin, remarque, c'est fait pour être protégé. Mais j'ai pas envie d'exploser maintenant. On le fera une prochaine fois. Et ouais, il y a des lanières réglables ici. En gros, si j'ai le gilet de crosse. Là aussi, vous m'en voulez pas si je sors pas le gilet de crosse et que je me mets pas en situation. Il y aura d'autres moments. Voilà. Non, mais ça va. Hein. Ouais. Merci. Tu es comme une mère pour moi. Aujourd'hui, en tout cas. Auréo, il a fait une bêtise. C'est pas une grosse bêtise, mais je suis pas capable de réparer ça. Ah, oh, mais pourquoi il y a plein de papier? Non, non, mais c'est pas là. Encore? T'as vu? Auréo, dis pardon. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est pas là. C'est vraiment sur le... Regarde-moi. Il y a là aussi, mais moi, c'est là. Il a fait de la déco. Après, quand ça va sécher... Ah, une autrice, je peux pas filmer ça. Regardez-moi comme elle est mignonne. Bébé. Oh. Ciao les poneys. On est venu voir les chevaux d'Adlise. Regardez-moi cette chose trop poilue et toute petite. Coucou. Ça va, Polly? Vous avez tous un problème avec mon plâtre, mais... Ça va, la dinde? Comment ça va? Bah oui, là, vous êtes excités, il y a la bouffe. Regardez-moi ce dos. Je dis que Saphir est une table basse, mais lui, c'est pire. En plus, il a la bonne taille. Le petit chette. Bon, du coup, ça y est, je viens de rentrer, donc je vais arrêter la vidéo ici. Ça aura pas été très long, mais bon, je suis hyper contente d'avoir pu voir les chevaux. Encore un grand merci, du coup, à Annelise d'être venue me chercher et de m'avoir amené voir les poneys et de m'avoir ramené. Voilà, vraiment, ça fait du bien. En tout cas, j'espère quand même que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve, j'espère, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.